Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue. Nous à la caca, moi surtout, je me pose. Tout le monde a toujours profité pour lancer un message. Oui, salut ça. Bisous. BetMGM Na pour comprendre. Maman, comme sous, il est quand même la culture, ma bisous. Peut-être paraîtra pour un bâtiment sous, n'est-ce moins compliqué. Alors, nous sommes de ceux-là qui ont vécu en Occident pendant longtemps et nous savons faire la différence entre un peu les deux cultures, parce que nous avons été à cheval entre les deux. Et parfois, sur les cas, dans l'andara analyste, nous sous, avec tout le respect que Nakoki octroyé Bango. Mais parfois, ils sont vraiment aussi qu'à la plaque. Alors, il y a moi, on a profité, les lots, pour la cour, parler d'un sujet, Moko, et ça simple, hein? Mais ça résume justement notre immigration, et ça résume aussi ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Néo-Nio Soto passé dans Poto, Néo Sobino passé dans Poto. Pourquoi phénomène on nous besoin peut-être besoin un peu louche aussi besoin un peu bizarre besoin comprendre pourquoi ma communion soit comme spectaculaire ils ont les calamas médias besoin fingana et pourquoi nous en sommes et c'est vraiment un sujet qui a de ramifications politique aussi pour en comprendre né Moutounakin a commis qu'au préféré à boire qui sa moi si naïe à boire qui sa mobile naïe pour la mobile y a poto to moi si a poto pourquoi ban l'abysso peu baso kola la poto baza koza la séduit na moutoumouazan akin à mon a été Kaka ba mona la Facebook, toi t'as la ba théâtre naïe, bani, ti et comique au balan. Tout ça, ce sont des événements où ils ont les cas, où ils ont ça la ké, nazo mona, ba toi, ça la ba polémique, mais moi je vais vous expliquer ça de manière scientifique. Vous savez, moi, ce n'est pas le blablabla, ce n'est pas. Nana le balkamoro, kakao, les sentiments, mais moi je veux vous donner des approches scientifiques où elles vont permettre Bissot de comprendre pourquoi, par exemple, Peniel, notre sœur qui vit à Dallas aux États-Unis, et par exemple Mike Alambay, qui est un chanteur qui chante de la musique chrétienne, qui vit à Kinshasa, comment par exemple des couples comme ça, ils ont mon âme. Et bien sûr, on peut aussi profiter pour dire, parce que je suis par moment ces choses, et Namon a mariage, Josie de Londres, tout ça, José de Londres, tout ça, et les autres. Et vous remarquez qu'il y a une vague de bateaux, Yébananakin, et Baza Kouzoua, que ce soit les hommes ou les femmes. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi une personne qui vit tranquillement, par exemple au Canada, en France, en Belgique, du coup, à la Moukinatongo, Nainabala musicien, Nainabala acteur et à théâtre, Nainabala comédien, Nainabala Moutoumoro à Kinshasa. D'abord, il faut expliquer ça clairement que l'économie, à Kinshasa, est allée par terre. C'est-à-dire que dans beaucoup d'abysses, pauvreté est quota. Pauvreté, quand je parle de pauvreté, ils allient pas seulement sur le plan Yambongo, pauvreté est quota même sur le plan éducation. C'est très clair que la plupart des Congolais qui viennent de Kinshasa ne se battent pas vraiment. C'est pas pour les dénigrer. C'est clair que classe, ils ont niveau malangu, il y a malangaté, niveau d'études sur le plan même universitaire, ça laisse à désirer. Batou, il y a mayele, baza, vraiment les choses. Et la plupart
de ces produits qui nous proviennent de Kinshasa, tous ces gens-là, ils ne parlent que d'argent, des habits, ils ne parlent que Naza Dangé, Naza Nabamomi, Naza Mobali Ambongo. Donc, monde la biso, il y a Kinshasa, au biso de Kolaka, il y a un livre, il y a un Tintin. Ils accueillent à Paris Match, ils accueillent à Jeune Afrique, ils accueillent à Nous Deux, ils accueillent à Harlequin, ils accueillent à Duo, ils accueillent à Lit. Tout le temps, on était dans la lecture quand on était des adolescents. Mais aujourd'hui, l'adolescente de Kinshasa aujourd'hui n'a presque plus rien. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus de librairies, il n'y a plus de Zamenga, il n'y a rien du tout, il n'y a plus de Croco à l'Ouessi. Et Banalelo, ils ont qu'une seule discipline au Etikalibango, c'est la musique. La musique, 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 pratiquement partout. Et ce n'est pas simplement qu'à la télévision, c'est partout. À Kinshasa, quand j'y étais allé pour la dernière fois, et même les personnes qui y vont aujourd'hui, bah oui, c'est nous qui bar après bar, musique après musique, bar après église, église après musique. Donc, c'est-à-dire que bah, comme distraction au pluriel prioritaire, c'est la musique et la religion. C'est tout. Il n'y a rien là-bas au Kibana. Il y a un livre tout le temps. On lisait tout le temps. C'était. On faisait des échanges culturels, surtout en matière. Il y a un livre. Donc, tout ça, quand on a un master, on changeait un livre. Moi, j'avais mes livres à moi. Et on a un master, on changeait pour qu'on colisse à Maïl. Mais ces Congo-là n'existent plus. Aujourd'hui, la lecture n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes, bien entendu, une époque de réseaux sociaux, les vidéos, les audios, et voilà. Donc, Batou, Baza Soussou, dirigé vers la science-té. Batou a commis dirigé vers le loisir. Le loisir a pratiquement pris le centre des activités, il y a ma jeune. Hein, relativement, bien sûr. Alors, si quoi, biso pena poto, biso to s'intégrer, ma jeune va s'intégrer, ma micole va s'intégrer, de yekoli ba langue, ba français, ba anglais, ba espagnol, ba portugais, ba russe, ba langue locale, ba coréen, japonais, tout. Sud-Afrique, partout nous sommes allés. Et pratiquement, ce sont des sociétés OESA un peu plus avancées, justement en termes éducationnels. Par exemple, ici, l'éducation, ça fonctionne, les enfants vont à l'école, même sur OK Classé, et même pendant la période Covid, les enfants étudient à partir de la maison. Tu vois, ce sont des sociétés OESA structurées et tout et tout. Et mes bandes, on a mis sur la tigre à Kinshasa, Mingi. Bazozoa, éducation. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels, des enfants qui vont dans des écoles dites privées et tout ça, et où il y a un peu de suivi extraordinaire pour la moine à Kokakoye, pour la Kokoye Bako Koma, Koye Bako Tanga, Koye Bako Salabou. Mais Namboko, on a mis sur. Et moi, je me plains toujours chez nos amis qui disent que, bon, voilà, Mboka, ils ont marché, Mboka, Ebonga, Banini. Or, tu es bien que pour Mboka et Bonga, il faut l'éducation. Or, chez nous, l'éducation n'existait pas. Il ne faut même pas faire un tour à Kinshasa. Il suffit de parler avec nos propres parents à qui, dans le Congo, nos nièces, nos neveux, nos tantes, nos nids, pour réaliser que Mboka et ça n'a qu'à tirer régression moko intellectuelle grave. Donc, et ça lit secret de polichinelle, c'est connu de tout le monde que Congo, sur le plan intellectuel, tout ce qu'on a sous-souté.
Il suffit de voir même de bani ou l'absence de Komaka, les niveaux. Les fautes d'orthographe, nous les faisons tous. Mais, genre, il y a ma faute d'orthographe. Je ne parle pas de faute de rapidité, de vitesse, tout ça. Je parle de le, la. Je parle de choses que nous avons apprises à la première primaire, ma gardienne et tout ça. Aujourd'hui, ça, incapable. Et même au niveau ministériel, on suit nos ministres, nos députés, même le président de la République parfois. Donc on sent vraiment que qu'il n'existe plus l'engagement intellectuel de la part de nos compatriotes qui sont restés au pays. Voilà la zone redressée, fondation pour vous comprendre, par exemple, de phénomènes comme Peniel et Mike Alambay. Pourquoi on a de telles choses aujourd'hui? Et pote bani le loté, batoazako, bala, banakala, aujourd'hui moi si na poto, ou bien aussi na kil, banini. Mais pourquoi il n'y avait pas ce genre de scandale? Pourquoi il n'y avait pas cette distorsion hein, des niveaux que nous voyons aujourd'hui? C'est simplement normal. Moi, je normalise parce que j'ai fait une analyse sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, sur le plan individuel, psychologique, psychiatrique et tout, pour comprendre que ce que nous voyons, les phénomènes que nous voyons aujourd'hui sont vraiment normaux parce que Mbo Kanabiso échangea makasi. Et ceci n'a rien à voir premièrement avec, bien sûr, ça a à voir avec la politique, parce que la politique normalement devait organiser tout. Mais parce qu'elle ne le fait pas, et la société est en train de s'organiser elle-même à sa manière, et du fait que classe est longue, éducation est longue, parents, perdent pouvoir d'achat la bango. Aujourd'hui, les fillettes, les garçons doivent se débrouiller. Et voilà, ils sont bien entendu dans ce que nous appelions autrefois l'article 15, c'est-à-dire débrouillez-vous pour vivre. Pépé Calé l'a si bien chanté avec Maestria. Donc aujourd'hui, Bisso, donc génération Outoyaki avant, Nabakoulou Tuna Bisso, et il y a eu une cassure. Et cette cassure-là, moi, je peux la placer vers les enfants qui sont nés après les années 75, 77, 78 et jusqu'à nos jours. Ce sont des enfants qui sont peu éduqués par rapport à nous ou Nabavie Nabisso. Aux hommes-là. Alors, ça c'est la fondation, ça c'est clair. Avant de comprendre le phénomène Mike Alambay, Peniel, il faut comprendre que éducation na Congo est à sauter. Débrouillardise, et Koluka cause la danger. Et comme il y a, vous savez, on dit toujours en science pour que le pouvoir a horreur de vide. Le fait que beaucoup de choses n'existaient pas, donc d'autres choses ont remplacé ces choses qui n'existaient pas. Comme l'éducation est par terre, l'éducation parentale est par terre, l'éducation familiale est par terre, l'éducation scolaire a académiques, universitaires, collégiales, sont par terre. Donc, ces jeunes qui grandissent aujourd'hui, moyen moussoussou, yako créé, idéo moussoussou, vision moussoussou, façon moussoussou, bazo moni na mokili. Et notamment aujourd'hui, vous savez, vers les années 90, il y a eu le phénomène Wenge Musica. Et c'est un phénomène qui a eu comme primeur la manière dont ils ont sublimé le matérialisme au détriment de l'intellectualisme. Comme j'ai dit, avant, à notre époque, il fallait être intelligent, il fallait comprendre les choses, il fallait être... Mais aujourd'hui, avec les phénomènes Wenge, et donc, il fallait... Ce n'était plus une question... de parler français correctement, ce n'était plus question d'écrire avec un bon français, tout ça. Maintenant, il fallait s'habiller, il fallait avoir de voiture, même quand on était con, quand on était un
véritable crétin colossal, cela n'était plus un problème. Le fait d'avoir de beaux vêtements, le fait d'avoir de voitures, le fait d'avoir une belle maison, ça suffisait, ça remplaçait exactement ce que je disais tout à l'heure, que le monde de l'éducation. Voilà. Donc, je connais des gens qui sont extrêmement cons, mais qui ont des maisons, qui insultent tout le monde. Et je peux vous raconter une anecdote. Tant dans un sala, examen de Tanangai, Namas Tanangai et Metumba. Alors, tout le monde est au fond de la maison, dans le quartier Mokoboué. Alors, il y avait un gars là qui est très connu, Babouar Karaépé. Il y a au fond de la maison, c'était lui comme le plus riche. Mais il faut voir la manière avec laquelle ces gars-là insultaient tout le quartier. L'ombre peut mettre la voiture en arrière, l'ombre boyer. Et c'est ça justement, biloko oyo, oui ça là que mboka na biso niveau est comment yangoana. Nous avons des phénomènes vraiment douloureux qui se passent dans notre pays. C'est-à-dire que le règne de crétins. Nous sommes dirigés aujourd'hui, notre élite aujourd'hui, et c'est pas comme l'élite de 1960 de Lumumba et autres. Non, aujourd'hui, l'élite d'aujourd'hui, ce sont des crétins. Ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Il faut même subtiliser les études. Ce sont des gens qui sont immoraux, des gens qui respectent personne, qui insultent facilement, qui pensent qu'avoir une voiture, une maison, et remplace l'éducation. Les Romains ou Machiavel, le bac il a fait un justifié de moyens, mais il faut quand même se ressaisir. La fin est bel et bien justifié de moyens. Mais quelle fin? Quelle fin quand tu perds ton éducation? Quelle fin quand tu n'es plus un être humain normal? Quelle fin quand tout est basé sur le matériel et l'intelligence, la morale, l'éthique, les choses les plus importantes. Yavir Moto sont toutes ravagées de la vie courante. Donc voilà un peu le décor dans lequel la société d'aujourd'hui est. Batu Yamaye de Bazate et Touye Napoto. Malek Nabsoura va peigner loin. Elle est venue ici peut-être à 2 ans, ou bien nous. Donc, elles sont nées ici. Alors, bango, pour la bango, à Paris, Bruxelles, Hollande, Allemagne, partout, pour la bango, quand elles, surtout les filles, hein, quand elles regardent la télé, à Monistar, Morasalara Théâtre, à Bétara Musique, pour eux, ou pour elles, ce sont des stars au sens occidental, c'est-à-dire que Moutoumounéné, Moutoumoukoboye, à maîtriser Arnaïe, à Zamoutoumoko, à Memakaba Ide Moko, innovatrice dans la société, à Zamoutoumoko, à Koriko, pour apporter quelque chose dans la vie. Mais malheureusement, les filles comme les peignelles et autres, je sais que dans ta maison, tu as une peignelle ou un olivier, ou je ne sais pas, mortel, c'est-à-dire que les enfants, ou Botama Bakola na Poto. Banawana Pona Bango, quand nous basons mon avenir, vous êtes à bas théâtre de chez nous, Nandaku, à mon Jésus, Jésus de Londres, et les autres, l'autre là qui est au Canada ici, qui est au Abimaï Moutakala, j'ai oublié son nom, et tout ça. Quand basons mon abattoir, basons mon abango, bas star ya Congo, au même titre, parce que ici, ces enfants-là grandissent avec peu de discrimination. Donc, je vais vous dire que les gens qui ont été en TV, ont 500 000 vues sur YouTube, donc ils ont été malonga. Mais, tandis que dans le Congo, apparemment, il a sa femme, sa copine, Vanine. Mais pour Napoto, rappelez-vous, nous avons une situation économique atroce
Oezana mboka na biso oyo ezo sala ke mboka na biso ezana. N'oubliez pas, il faut pas mâcher les mots. Notre pays est parmi les pays les plus pauvres. Moi, je me plains toujours parce que les gens essaient de faire des discours politiques quand on s'attaque au niveau de vie de notre pays. Et les gens essaient de toujours l'incorporer à la politique actuelle, au régime actuel, aux choses qui se passent présentement. Non, pas du tout. Moi, quand je parle politique, ce n'est pas par rapport à Félix. Félix n'est que la personne qui a la malchance d'être là lorsque mes avis sont évoqués. Mais ils ont coupé, ils ont pauvre. Pauvre Makasi. Les gens oublient qu'au Congo, il y a des gens qui ne s'habillent pas. À l'Équateur, j'ai appris par exemple qu'il y a des gens qui restent à la maison toute la journée parce qu'ils n'ont pas un pantalon pour porter. Au Kasaï, n'en parlons pas. Les gens vivent amèrement et parfois sont contraints de bouffer les animaux domestiques. Et cette histoire, ce n'est pas une histoire localisant la coin moko kaka. Non, c'est pratiquement 70 à 80% des Congolais qui vivent dans une telle médiocrité qu'il suffit que tu leur dises j'ai un billet pour aller en Espagne, j'ai un billet pour aller en Afrique du Sud, au Maroc, au Brésil, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en France, Belgique. Ces gens-là sont prêts à tout. Moi, personnellement, quand j'étais aux États-Unis, il y avait un monsieur qui était un homme riche, qui avait une maison à ma campagne, qui a un bon boulot, qui a tout vendu pour quitter les Congos. C'est comme ça que cette histoire est affreuse. C'est-à-dire que Moutou a tardé sur na Congo, il s'est dit, non, combien d'appels la joie, ah non, papa Olivier. Et il a dit, mais où est la situation bien na Congo, pourquoi tu veux quitter? Ah bien Olivier, on ne sait jamais, le Congo n'est pas stable. Les choses peuvent se gâter du jour au lendemain. Il faut na yamiki. Donc, en disant, c'est l'opportunité, tu es moi, bon, mais mon ami, il faut na kinde. C'est comme ça. Alors, tous ces enfants-là qui sont en Occident, qui, à cause de leurs parents, regardent des vidéos de Kinshasa, notamment les théâtres, la musique, tout ça, nos enfants sont extraordinaires. Hein. Ça, il faut qu'on félicite. En gros, beaucoup de nos enfants qui sont en Occident, ils parlent lingala, ou du moins comprennent lingala parfaitement, et aussi, mais le problème, c'est où maintenant? Ces enfants, quand ils regardent ces vidéos, quand ils regardent Werason, quand ils regardent Robinho, quand ils regardent Ferregola, quand ils regardent tous ces gens de théâtre et consorts, les Fali, Poupa, pour eux, ce sont des gens sérieux au sens occidental. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai pour... Je ne vais pas généraliser, mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai. Il y a exactement de prédateurs parmi ces gens. Des gens qui ciblent Banalabino pour n'abaya la poto. Et nous avons vu ça. Combien de mariages il y a eu moi, Fimoro à Kinshasa, ailleurs en apoto, à Kimi. Combien de fois on a vu garçon Mokora à Lingi Fimoro théâtre, à Kimi. Combien de fois, dans l'autre sens, on a vu Bafi, il y a Poto, elle s'appelle la garçon mort à théâtre, comme aujourd'hui nous sommes dans l'époque de réseaux sociaux, donc il y a facilité d'entrer en contact direct avec ces personnes parfois prédatrices. Donc, au Bengena Messenger, au Bengena WhatsApp, Bokomo Solo là, oh non, et puis il y a une dynamique amoureuse qui s'installe, Bokomo Kolobana, oh non, Yobalanga, Notozala. Bien que cet homme-là à Kinshasa est marié, bien que cette femme-là à Kinshasa pour Asanaba Kopanae, mais Pona Poto, Pona Mikili, Pona Miguel. Akoko Sayo et Piakouya.
est le plus grosse victime de ces phénomènes, ce sont nos enfants qui grandissent ici. Parce que nous, nous connaissons que Batouana, ce sont des matuvistes, ce sont des gens qui prétendent qu'ils sont riches, qui montrent leur bagnole, Yassika ou Yacher, qui montrent leurs habits, qui veulent se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas, tout ça. Mais, mon grand frère Sele Kangani a yébité que Fio Azolinga Kinshasa aza prédatrice alinkaka ya poto. Et c'est ça un peu la dynamique dans laquelle les choses se situent aujourd'hui. Et nous avons vu le cas de Mike Peniel. Elle a grandi aux États-Unis, elle est pratiquement une Américaine. Son esprit, moi j'ai vécu aux États-Unis, parmi ma première jeune Congolais, il y a génération Namba, vivant aux États-Unis. Donc on a Yakawana. Jeune on a Koutaka, Oyo, Bazaïka, 2-3, notamment Adonis Lengalenga. Mais Batoutou, Baye Aprenga. Batou, presque tout, hein, Baye Aprenga. Alors, tant que tu y es dans Mbokahana, Mbokahana, ils allaient au Babengara. Canada, Babengara, melting pot. Et non, États-Unis, melting pot. C'est-à-dire que ils ont le coup la place où ils ont fondre ma culture. Quand tu arrives là-bas, tu viens de Guatemala, tu viens de, je sais pas, de la Chine, tu viens de la Corée, de la France, on t'américanise. On t'apprend à détester d'où tu viens et à porter l'identité américaine. Donc, c'est-à-dire, c'est pire encore pour un enfant qui a grandi là-bas comme Peniel. Pour elle, c'est les États-Unis, c'est la sublimation de la culture américaine, donc NASA américaine, et Panabiso, c'est droit de liberté d'expression, First Amendment. Donc, j'ai le droit de dire tout ce que je veux, j'ai le droit de réfléchir en public, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, il n'y a pas de ça là-bas. Et donc, du coup, et puis tu ne peux pas sortir avec une fille de moins de 18 ans. Par exemple, quand tu es adulte, quand tu as mon âge, quand tu as l'âge 25 ans, 20, 30 ans, 70 ans, tu ne peux pas sortir avec une fille de 17 ans. Rappelez-vous, il y a une vidéo qui a circulé la semaine passée où on a vu, pratiquement il y a deux semaines, on a vu un papa donner sa fille en mariage au Kassai, et cette fille-là avait quoi? Elle avait moins de 18 ans. Je pense qu'elle avait 14 ou 15 ans. Et la raison que ce bonhomme a énumérée, et il a dit que, bon, voilà, ma fille a été violée par le gars. Il faut, selon notre culture, selon notre façon de voir les choses, il faut que moi, là, baba, lycée, n'a pas, on a 70 ans. Vous voyez dans quel décalage une fille qui a grandi à Los Angeles, à New York, à Dallas, à Miami, à Miami, ou tout ça. Et avec un homme qui vient de Kinshasa, comme je dis, comme Mike Alambay, un homme qui, vous savez, on le dit parfois, les gens qui viennent de Kinshasa, ils ne sont pas des gens qui sont humbles. Quand il a étudié, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Quand il a du succès, il doit coucher avec toutes les filles du monde, et quand il a l'argent, il doit minimiser toute la terre. Ça, c'est le Congolais qui vient du pays. Donc, pour la bango, et puis voler, mentir, des choses comme ça, sont tout à fait normales dans la culture de Kinshasa. C'est-à-dire, rokosa âge, rokosa ma conviction, rokosa même en amour.
Et les Mike Kalambay, le Moïse Mbille, tous ces machins de stars de Congo, ils ont tous cette mentalité-là. Et, point virgule, ce sont des gens qui veulent aussi que Bamona Bango danger, qu'ils ont l'argent, qu'ils sont... Donc, ce sont des gens, des personnes qui sont prêtes à tout pour s'accumuler de fortune, de l'argent, utiliser les femmes, parfois même devenir, sans mâcher les mots, des gigolos pour la rejoindre. Bon, moi, c'est à son malopango, à se faire passer, comme nous le voyons, chaque fois, parce que chez eux, là-bas, comme j'ai dit, l'éducation n'existe pas, la moralité non plus, l'éthique, toutes les choses bonnes que nous, nous avions à notre époque. Naba, pasteur, Eva Nassen, ces choses-là, pasteur, je salue en passage à Londres, avec qui j'ai eu un vibrant échange l'autre jour sur l'éthique, la morale. Pasteur Eva Nassen, nous avons conclu ensemble qu'il n'y a pas de morale en RDC. Les gens ne sont plus honnêtes. Les gens sont juste de superficiels, virtuels, veulent montrer qu'ils ont une certaine réussite matérielle et tout. Mais les fonds, une catinaillé, il n'y a plus rien. Et là, on résulte. Et vous voyez maintenant. Mais dans quelle espèce de situation que nous sommes, tu as un enfant qui a grandi à Dallas et elle a pratiquement la mentalité qui est absolument américaine, mais à cause de parents qui regardent des vidéos, qui regardent des films, qui lisent des journaux qui viennent du Congo, et par... à cause de cet élan-là, moi, je suis un peu plus de la paix de ma vidéo. Je suis idéalisé. Je suis un croyant que ce sont les acteurs qui ont la même rigueur que Denzel Washington, Will Smith, Chris Rock, Demi Moore. Tout ça, Jackie Chan, tout ça, non. Nos acteurs, malheureusement, n'ont pas le même standing que leurs compatriotes américains ou européens, non. Ou asiatiques, là je parle du Japon et tous les pays émergents qui sont de ce côté-là. Donc, pas toi là, pas un niveau. Soit théâtre, na niveau ya moral, éthique de travail, éthique ya vie, ni baza loko la ba star aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ce qu'on a star au salut de bêtises, vous avez vu avec la gifle de Will Smith, comment sa carrière naïe qui était florissante et tout ça, regarde comment c'est en pause. Juste une gifle. Aux États-Unis, on ne blague pas. Tolingio lelo, osalimabe, toboakisio. Mais au Congo, ce n'est pas ça. Même quand tu es médiocre, même quand tu voles, même quand tu insultes les gens, même quand tu es nul, même de la. Na arnaio. Mais il y a des gens qui vont continuer à te soutenir par tribalisme, par juste comme ça et tout ça. Mais les États-Unis, en France, en Belgique, en Europe, en Asie, développer tout ça, ces choses-là n'existaient pas. Au salé local médiocre, baboua qui s'y met, et pas un bisseau, les filtres, si je peux dire, c'est un peu au fond wama. Ce qui fait que les mauvaises choses nous atteignent. Alors, les victimes aujourd'hui, c'est qui? C'est qui? C'est nos enfants. C'est Péniel. Péniel qui avait 17 ans, qui habitait chez ses parents, et qui ses parents qui sont des pasteurs de l'église, et qui à cause de. Il y a hospitalité, la mission congolaise. Vous savez, moi j'ai toujours dit le Congolais, c'est la superman, parce que la superwoman aussi, parce que le Congolais. Le Congolais, il est hospitalier comme ça, c'est sa manière. À lui, ou quand il s'agit des femmes, le Congolais, tu reçois chez lui à la maison et puis demain, il t'insulte.
C'est comme ça. Ah, yaki nanda kunangai, asisi coca nangai, asisi maï nanga, congolais les comme ça. Donc on a une hospitalité qui est absolument ridicule et bizarre. Donc, je parie que le parent de notre ami Peignel fait la même chose. Donc, ils ont accepté que Mike Calamon, qui est un chanteur, entre guillemets, chrétien, et vous savez, les parents, bisoba parents et apôtres, tout ça, la vérification sous ce thème. Donc, on a des gens qui sont des criminels au Congo. Les Saï-Saï, vous savez, il a été emprisonné pour viol. Donc, mais quand un Saï-Saï vient chez toi, bon, tu l'amènes chez toi, tu lui donnes une chambre, tu as des fillettes qui ont 16, 17 ans, et tu amènes un violeur condamné, un criminel. Parce que vous savez, le terme criminel s'emploie seulement, je veux dire, le terme criminel, la meilleure façon d'être employé, c'est quand vous parlez de quelqu'un qui a été condamné. Par exemple, Koffi Olomide, c'est un condamné, avec sursis bien sûr, mais il est condamné. Donc le terme criminel lui va très bien. Saï-Saï, il a été condamné. Le terme criminel lui va absolument bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? On a des personnes qui ont de condamnations judiciaires. Ou bien, dans l'autre cas, il y a des présomptions de culpabilité, de présomption de chat. Mouta bon yo papa, soi-disant Jésus en haut. Jésus a le bas qui te que mouyibi nini aya oufana nanda kuna on a banana yo. Et surtout que il faut quand même faire que nous fassions nos devoirs à domicile, c'est-à-dire savoir. Nazo ben sa star ou nanda kuna réputation na ezani. Vous savez, alors voilà, donc tous les mêmes batu yama be et pas ya banabiso a passé. C'est-à-dire des fillettes qui ont à peine 15 ans, 16 ans, vous prenez un gars qui a à peine, à l'époque, peut-être 32 ans, 33 ans, qui fait son succès musical à travers le monde, et ce succès est accompagné par les conquêtes sexuelles et tout ça, qu'on soit bassi, qu'on couche la bango, bani, aux huit papa, pour la nini, l'église nabino, banini, oh, église école. Moi, je connais des pasteurs qui osent balobé que ça ba musicien ah ouais pour église école oh non c'est au sali campagne nous au sali et le séminaire tobin ici frère Patrice tobin ici l'autre là qui a tué sa femme on dit comme ça en lingala donc j'ai oublié son nom mais ça va revenir mais tout bien que ça est, pour y sourire, batailler, et on va évangéliser comme ça. Donc, des raisons bidons. Pona, banine. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas convaincre les gens avec la parole, avec les convictions, avec les concepts, tout ça. Non, c'est juste, on organise un truc, et que sourire, batailler, belendamoubaotikala. C'est le principe. Et je pense que c'est là où les parents de Peignel se sont trompés. Sûrement, ils se sont dit, ah bon, on va faire un peu d'argent, puis on va essayer de faire agrandir les... Mais, chers parents, les Quinois là d'aujourd'hui, la plupart, ce sont des menteurs. Regardez vous-même les vidéos, les Moïse Millet, les Denis Lessé, machin, ce sont des menteurs. Comment vous continuez à les considérer comme des hommes de Dieu, sachant que ce sont de menteurs, de truands, de pervers narcissiques. Des gens qui sont prêts à tout parce que dans leur petit monde quinois là, il suffit d'avoir une voiture, trois voitures, une maison, il y en a danger. Pourtant, Bissou un apôtre, danger c'est quelqu'un qui a la moralité, qui a étudié, ou bien qui se comporte bien en société, qui respecte les lois de la République. Pour nous, c'est pratiquement une totale autre définition. Mais au Congo, quand on parle de réussir dans la vie, c'est les voitures, les habits, les choses comme ça, mais bien que ces personnes soient
totalement vide de quelque chose. Et maintenant, toi et nous qui élevons nos enfants dans ces continents, dans ces pays, comme j'ai dit, surtout l'Europe, les pays occidentaux, tout ça, tu ne peux pas amener ces gens-là dans ta maison. Oui, bien sûr qu'il y a des exceptions et tout ça, je suis totalement d'accord. Mais quand tu amènes des gens qui ont une autre éducation que tes enfants, des gens qui pensent que ah, il faut aller la moisio, il faut aller la mobile, il faut na bala en encore pour appeler ça la mukanda, il faut que voilà qu'ils fassent telle chose pour moi, qu'elles fassent telle chose pour moi. Les Quinois aujourd'hui, c'est tout ce que c'est. C'est la république des mendiants. Galoba toujours. Moi, quand je grandissais à Kinshasa, il y a un peu de temps dans la poto. Mais je sais une chose. Quand on va aux vacances, pour tout ça. Mon côté à Ria, oh non, elle va nous nourrir, elle va commencer à acheter des trucs pour nous. Non! Tant au Lali, le binatongo, quand papa se réveille, il donnait l'argent de poche à tout le monde. Là où il poto, là où il c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Moutaouti poto, c'est un dieu, une déesse, et quelqu'un qui va transformer, qui va métamorphoser la vie des gens. Alors, tous ces mondes-là qui sont acquis, baso ciblé poto, baso ciblé yonanga, baso ciblé bana, baso ciblé moananayo, il y a moi ici, il y a mon bali, et pour faire de mariage, ma mémaye awa. Et c'est dans ce truc-là que Mike Kalambay était. Mike était là pour s'enrichir. Il était là pour avoir ses papiers. Et Peniel n'avait que 17 ans. C'est ce que nous on appelle en anglais statutory rape, c'est-à-dire viol sur mineur. Et je sais que les lois sont différentes en France ou aux États-Unis. En France, je pense que c'est 15 ans ou tout ça, et il suffit que la petite consente à l'acte. Mais aux États-Unis, c'est pas ça. Aux États-Unis, tu ne peux pas en aucun cas coucher avec une fille qui a moins de 18 ans si toi tu es majeur. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté légale, il n'y a pas de clause spéciale pour protéger ou je ne sais pas moi. Il n'y a pas de dol. Donc, c'est clair que quand quelqu'un a moins de 18 ans, tu ne peux pas la toucher. Voilà. Donc, les cultures, ils ont des morotés entre les Kinois et les Lélos, Nabana Poto. C'est pourquoi moi je me plains toujours dans la montagne, dans la poteau, et il essaie de défendre l'indéfendable, les choses qui se passent à Kin, les manières qui se passent au Congo, les escroqueries, les mensonges, les je ne peux pas défendre ça, sauf au fond dans la poteau. 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment tu peux défendre de Babylon à Nengwana? Et comment allions-nous arriver à changer les choses au Congo, si nous continuons à approuver. Oyamabe, bandekona biso bazo sala. Bandekona biso au Congo, bazo cibler biso en tout. Même nos amis sur Facebook, il suffit de voir un vieux ami là, ou une vieille amie, dire, hey, tiens, ça c'est mon ami d'enfance, j'ai étudié avec lui ou elle. Tu repensé qu'à un mot, tu lobby. On est un bon, il y 50 dollars. Parfois, ils demandent des sommes exorbitantes. Oh, nous, 1500 dollars, mon coup. Mais tu penses que la vie, mon tour, à Tazana, bah, million, kakabo, je te donne 1500 dollars. Tu me dis pas qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, quel projet, Ngokota. Mais les gens, nos frères et sœurs de Kinshasa, du Congo en général, sont dans ça. Et voyez, pour revenir à l'histoire de Peniel, ça dit Peniel a pour la poteau. Mais faiblesse ou un écoute qui a ma parent totika, il faut dire la vérité aux enfants.
Il faut dire la vérité. Et je me rappelle, il y avait, quand j'habitais à Los Angeles, aux États-Unis, il y avait un vieux à moi qui s'appelait Freddy. Freddy Lève, il est décédé l'année passée. C'est vraiment un bon vieux. C'est lui qui nous a appris à préparer parce que lui, il avait un diplôme de chef. Donc, à ça qui nous. Oiseau Lamba, oh mon Dieu, il préparait de mets impossibles. Azao Salapon, la compagnie aérienne, Moko, aux États-Unis, et Bamonde Bazaki va cuisiner, la marabilo, écoute en avion. Alors, vieux Freddy nous disait toujours, vieux Olivier, ne t'en fais pas, il va changer dans 2 ans. Il parlait de Congolais lorsqu'ils débarquaient, ils étaient arrogants, ils ne comprenaient rien, ils essayaient de. Kozo Makamba Congo, Bakan Sapoto et Zandengwala. Alors, quand ces gens-là étaient. Toujours en belligérance avec les gens qu'on soit la manine, la vieille Freddy, Olivier Colanda était dans 2 ans, il va changer. Et c'était vrai. Après un moment, on voyait un adoucissement de comportement. Moi, Bomoute, Komoko, t'as moins respect à Ban. Donc, Bande Wolamso, Congo a dissous de Kola, et le Congo d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est aujourd'hui qu'on vous a foutu le peuple. Le peuple est fomant moutema. Congola zo poma mouninga na epona mbongo. Congola komiko. Kosa même moi si kwa me maena poto. Sachant qu'il a une autre femme au Congo avec 2 enfants. Et voilà, c'est le cas de notre petite soeur Peignel. Donc elle est tombée dans les imageries, donc elle dit, oh, as a star, quand tu es au States, moi j'ai habité à Hollywood, donc il y avait des moments où tu conduisais, tu pouvais voir la voiture de Michael Jackson, tu pouvais conduire, tu vois telle star, tu pouvais conduire, tu vois Snoop Doggy Dogg, tu pouvais aller à Hollywood Boulevard et voir telle star passer, tu vois, et quelqu'un qui a grandi, une atmosphère, au monde à star, na glamour, na bangola nini, et puis na respectabilité. Et tu as maintenant une star du Congo qui est un escroc, qui cherche ton argent, qui cherche ton amour faussement, et qui a déjà des copines et copines au Congo. Vous voyez, c'est normal. Peignel, à quoi y a qui? Et aussi, il faut se rappeler qu'elle avait que 17 ans. Donc, elle était encore comme une groupie, là. Donc, garçon, il a 15 millions de views sur Internet. Waouh! Il y a des stars américaines qui n'ont même pas 15 millions. Donc, oui, il faut à sa star, mon comme néné. Voilà. Nos enfants tombent sur des choses comme ça. Nos jeunes sœurs et des gars tombent dans des histoires comme ça. Donc, il y a une fausse imagerie. Tu t'es dit que Moutou est une star. Donc, cette personne, elle est comme une star de la France, de la Belgique ou des États-Unis. Non! Les stars du Congo sont des escrocs. Ils demandent l'argent. Ils font le matolo. Ils demandent l'argent à qui il le veut. Donc, ma star n'est pas potote. Alors, faites son gaffe avec surtout les filles qui la femme, sa sexualité, c'est la chose la plus précieuse. C'est pourquoi parfois quand une femme perd sa virginité, elle pleure. Elle pleure comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la chose la plus importante de son corps a été prise. C'est son intériorité, sa personnalité. Je ne dis pas, moi je suis ce qu'on appelle un homme féministe. Je soutiens la liberté des femmes, les femmes qui parlent, qui s'expriment. Moi je suis dans ça. Moi je n'aime pas qu'une femme, bien que ça peut être son choix, libala, non. Moi je dis toujours, une femme, c'est un homme femme. Et comme un homme, c'est un homme homme. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est la sexualité. Les hommes ont des pénis, les femmes ont des vagins. Donc, ça se limite là. Mais sur le plan intellectuel, les femmes peuvent donner beaucoup. Et
on peut voir même dans la société occidentale, on voit nettement et que depuis qu'ils ont adopté, depuis qu'elle a adopté la société occidentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, nous avons vu des prouesses économiques inédites. Après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement féministe, tout ça est lié. Bassi, Barthélemy, Mokilé, il n'y a pas de pays développé où on maltraite de femmes. Ça, il faut dire aux hommes congolais de Kinshasa. Pas Yapoto, les hommes congolais, il n'existe pas de pays développé où la femme, où il y a un mépris de la femme. Où on utilise les femmes pour des raisons X, Y, Z. Non. On ne peut pas. Mike Kalambay couchait avec une fille de 17 ans pour avoir des papiers. Et pensant que avec cette approche, on va contribuer au rayonnement du Congo. Non. Toujours détruire les cultures Nabissau. Alors, bref, c'est que je veux dire quoi? Bissau bat tout aux la poto. Naba na Nabissau. Naba neveu, nièce Nabissau. Nabato Bazana Congo, arrêtez de vous tromper. Nous sommes tous des Congolais, mais nous ne sommes pas des Congolais de la même manière. Je peux réitérer, nous sommes tous des Congolais, mais nous ne sommes pas des Congolais de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu des fractures éducationnelles, culturelles, psychiatriques, psychologiques, anthropologiques. Énorme! Nous ne sommes plus le même Congolais. Non. Moi, je pense que notre rôle à nous, c'est d'aller là-bas et dire à nos frères, et voilà, voici des choses que nous nous avons apprises. Voici la manière dont les choses se font. Voici la manière idéale que les choses doivent se faire. Arrêtons de tromper à nos frères qui sont au Congo. Oh, nous sommes tous congolais, on a tous les mêmes appréhensions de choses, la même compréhension. Non, c'est faux. Les gens qui sont à Kinshasa, ce sont des prédateurs. D'ailleurs, à Kinshasa, il est clair que beaucoup de nos frères qui sont là-bas utilisent la violence pour coucher avec les filles. C'est clair, beaucoup de nos frères qui sont là-bas couchent avec les filles violemment. Et ils disent que, oh non, et moi si, Soka Zoboya, il faut forcer parce que Alingi Mazoboya. Au Congo. Et là, je me plains pas seulement des hommes, mais je me plains de filles qui donnent cette impression aux hommes au lieu de dire carrément et nettement non. Moi, j'ai pas envie de faire l'amour aujourd'hui. Les raisons sont claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est ça aussi l'hypocrisie ou bien dire des choses qui sont pas vraies. La femme doit dire à l'homme que non, je ne veux pas faire l'amour parce que je n'ai pas envie, parce que je ne veux pas, parce que je ne suis pas prête et je vais attendre tel moment. Et il faut donner de précisions claires à ces hommes-là pour qu'ils ne laissent, pour que vous ne laissiez aucune ambiguïté sur votre choix. Coco Saraté, l'obanaïen a parce qu'il a pris je viens te voir parce que je t'aime, mais c'est là ne veut pas dire que le roi n'a y a pour la lingio que je dois t'octroyer mon corps. Mais au Congo, ils pensent que c'est comme on appelle ça en anglais. Bon, je vais essayer de traduire. Babengango viol de. Comme d'amitié, un viol amical, c'est-à-dire que les personnes qui se connaissent, au Bengissier, à Yé, à l'Esco, Yakanissi, le Kola, à la Bengissi, Chantal, donc Chantal est prête à coucher avec moi, parce que si elle ne voulait pas, elle n'allait pas venir chez moi. Ça, c'est au Congo que les gens passent comme ça. Et bien entendu, il y a des personnes qui soutiennent ça.
des soutiens, des personnes même qui sont en Occident. Je sais que beaucoup d'entre nous ont fait de telles choses au Congo. Et mais à l'époque, peut-être, Bazago se rendre compte que je suis en train de violer. Je suis en train d'être brutal. Je suis en train de violenter une fille. Et tant à une occidentale, on comprend que non, 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 non. Une fille, oh, Alingio, il faut amener pisser par là. Tu ne peux pas utiliser ni la drogue, ni la force, ni quoi que ce soit pour quoi que ce soit de brutal, pour amener une fille à t'octroyer le temps de faire l'amour, tout ça. C'est ça. Et nos filles qui grandissent ici savent bien que ceux qui, même tu es en plein jeu avec une fille, et que la fille dit, hey, chérie, sors, parce que je me sens plus, tu dois sortir. Tout le monde le sait ici. C'est la discipline. Tous les hommes ici, sauf bien entendu ceux-là qui sont dans les prisons, mais bisous, non. Quand? C'est non, il faut arrêter. Alors voilà. Donc des gens comme des Mike Kalambala et autres, ils ne comprennent pas ça. Ce sont des gens qui ont bien sûr grandi dans cette jungle congolaise où pratiquement la loi n'est pas omniprésente. Et voilà. Et puis la justice, c'est quelque chose qu'on peut vendre ou acheter, tout ça. Mais ici, c'est pas ça. Ici, voilà, on t'arrête. Tu fais 3 ans en prison, 4 ans, ça dépend de circonstances aggravantes. Si tu es un psychologue et que tu violes une fille ici, bon, tu auras 10, 15 ans, 20 ans même. Parce que tu es censé savoir. Mais au Congo, les psychologues violent. Les pasteurs violent. On a vu le cas de Mike selon le témoignage de. Donc, il y a deux cultures qui se sont créées, il y a deux mondes qui se sont créés, et donc la fracture, la cassure est d'autant plus grande, et qu'aujourd'hui, les gens qui sont au Congo, nos stars qui sont au Congo, visent la diaspora comme étant un endroit où on doit puiser les ressources. Ils doivent, il faut boire à Bissou dans ma banque, il faut faire un bongo, il faut faire la bango bilamba, il faut boire à la balle à la Bissou pour la Mikanda. Et grave, ils ont grosse, surtout en France, où c'est très fréquent, où on voit même, bah, tiens, moi, si c'est mis, poisson, moi, la botte, mi sur Mikanda. Oh, petit. Ça, c'est une histoire qui me fait très mal au cœur. Ou tu moi si c'est mes points aux hommes Kanda. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel motet, maman B. Comment vous engrossez moi dans partout pour nous aux hommes Kanda. Voilà. Si c'est un peu ça. Donc c'est mon avis. Ce qui bozo qu'on distingue le bien et le mal. Le bien, le mal, nous n'en sortirons pas. Quand on voit tous ces voyous maintenant qui ont le droit de parler à la télé. À l'époque de Mobutu, vous avez vu combien de voyous passaient à la télé et parlaient. Oui, Mobutu n'est pas l'homme parfait. Non, j'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit au moins, je sais que quand j'étais au Congo, quand Mobutu était au pouvoir, je n'ai jamais vu un crétin colossal prendre la parole à la télé. Ça s'est jamais fait, même pas une fois. Mais aujourd'hui, autour de nous, observons qui parle, qui prend la parole, qui décide, qui raconte. Ce sont des gens qui sont totalement ignorants. Ce sont des gens qui, à mon avis, humble avis, qui sont des crétins colossaux et qui prennent la parole. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, il suffit d'avoir une petite voiture, d'avoir une petite maison, donc tu es satisfait. Ça te donne le droit de parler. Ça te donne le droit de parler. Et aujourd'hui,
Bah, biso à Poto, bazo za ba victime ba Mike, ba Moïse Mbiye, tous ces gens-là qui sont absolument mal éduqués. Et grave, ils sont trois de noms avec beaucoup de superlatifs, pasteurs, prêtres, prophètes, tout ça. Et c'est ça. Et c'était ça mon message d'aujourd'hui. Protéger bana mon balina, protéger bana, protéger balegno, protéger batoakin, bazamande bonabiso. Mais ils ont un défaut, ils vivent dans une société pauvre. Et les pauvres, quand quelqu'un est pauvre, azaka ba ideka ya rolé la batou, ya ko exploiter batou, ya ko senga, ya ko boma, ya ko bala ya lokuta. C'est ça, c'est normal. Moi je les en veux pas parce que c'est la nature du pauvre. Take advantage of people. Prendre l'avantage des gens. Et Peniel, c'est une victime. Hein? Vous avez vu? Et quand on regarde l'histoire de Mike aujourd'hui, voilà, il couche avec tout le monde. Des gens sans scrupules. Il couche avec tout le monde. Il a pratiquement détruit la vie de cette fille. Parce qu'aujourd'hui, à 27 ans, 28 ans, quand elle regarde son parcours, elle regarde maintenant sa vie, elle dit, hey, car elle fait, j'ai deux enfants. J'ai un homme qui pratiquement fait l'amour avec toutes les filles qui chantent chez lui et qui... Voilà. On va pas seulement protéger nos enfants contre la criminalité en Occident. Protégeons nos enfants contre les Congolais de Kinshasa, de Congo. Ceux-là qui n'ont pas la maturité, ceux-là qui n'ont pas la morale, ceux-là qui n'ont pas l'éthique, ceux-là qui ne respectent pas. Qui pensent que ce qui a eu mwanana kabila kombongo, a sombela enda kunde wana vie, wana la komi danger. Nous, pour finir, nous avons grandi. À l'époque de la lecture, nous lisions beaucoup, nous jouons beaucoup. On joue au foot, basket, ping-pong, tennis, nini. On voulait être cultivé. L'argent n'était pas éloqu important pour l'abisso. On voulait être intelligent. Et aujourd'hui, notre culture, ce n'est plus ça. Les gens veulent avoir des voitures, des maisons, des habits. Si tu n'es pas intelligent, à quoi ça sert d'avoir tout ça? Ce qui en a, et vraiment, dans ceux qui partisans qui est Peniel, ça va aller. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais au moins, je suis là pour te dire que ça va aller. Et Mike Kalambay, apprends l'humilité. Apprends à Komikitisa. Apprends à savoir que quand on a fait une faute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire pardonner. Voilà. Merci bien. À la prochaine, Olivier Bolia. Tout droit, na kana yo le banini dit.